Voilà. Oh, je vois poindre une mèche de tes cheveux. Laisse-moi humer tes feuilles vertes. Elles sont craquantes. Tu me mets en appétit. Ma langue est sèche. Non. Allez, non. Viens. N'aie pas peur, ma chevelure. On en est. Oh, je suis où, mon ami raté. Oh, excuse-moi d'avoir tant tardé. Oh, tu as une robe encore plus belle que l'oranger de l'an dernier. Mais attention, là, le tissu est fragile. Je ne crains rien, je ne peux pas le déchirer. Mais comme tu es appétissante. Non. Je vais retourner sous la terre. Mon ventre crie famine. Mais aidez-moi, j'attends ta sortie. Que je guette ta venue. Je tournicote autour de ton logis. Que je découvre les draps de terre qui te recouvrent. Je les chiffonne. Je les dérange. Je les remets en place en chuchotant ton nom. La carotte. Ah, je suis sûre que tu es sucrée. Non. Non, ne me mange pas, je suis même pas cuite. Tu as raison, ma crudité. Je vais t'assaisonner et je vais t'emmener à la cafétéria des jardiniers. Oh, je vais pas terminer dans une assiette. Le vinaigre me pique les yeux. Oh, mais arrête de pleurer. Je déteste manger trop salé. Oui. J'arrête de pleurer. Bon. Mais avant de mourir, laisse-moi me parfumer. D'ailleurs, vous êtes un fruit ou un légume? Les deux. Ah, vous êtes pique. Mais disons que je me sens plus attirée par les légumes. Moi aussi. Ça tombe bien. On y va. Vous vous souvenez que je n'ai pas de pied? Je vous prends dans ma main. Si ça vous dit. Ça me dit. Ça va? Je ne vous sers pas trop? Non, je suis bien. Moi aussi, je suis bien. Vous pensez qu'on va avoir une aventure? Pour ne rien vous cacher, vous m'avez plu tout de suite. Oh, moi aussi. Dès que je vous ai vu, j'ai eu... Enfin, vous m'avez charmé. J'ai ma voiture en bas. Ça vous dirait qu'on part pour Venise? Venise? Mais oui, avec les gyrophares, ça va vite, vous savez. On trouve tout le monde. Oh, je vous adore. On enverra une carte postale à ma mère. Et au retour, je vous la présenterai. Je crois qu'elle sera folle de joie de vous connaître. Et moi, je l'aime déjà. Laurent! Oui, mon amour! Tu ne me mangeras jamais, n'est-ce pas? Tu perds la tête, Jacqueline, tu suis perds la tête ou quoi? C'est curieux, la vie par moment. On n'y croit plus. Tout vous paraît sans intérêt, ni saveur. Et d'un seul coup, vous rencontrez un homme, un vrai, avec un revolver et un képi. Et tout à nouveau a du goût. Vous vous sentez belle, faite pour exister pleinement. Ça ne te dérange pas, Jacqueline. Je te mets dans la boîte à gants. Ce n'est pas prudent de conduire avec toi dans une main. Tout ce que tu veux, je le veux, mon chéri. Tout le monde est servi? Allez-y, servez-vous. Voilà. Oui, avec les doigts. Vous trouvez ça bon? Ah ben vous avez de la chance. Parce que moi ça me dégoûte. J'en peux plus. 20 ans que je travaille dans le miel. Mon grand-père était dans le miel. Mon père était dans le miel. Alors moi forcément, après le bac, hop, à la ruche. Pas eu le choix. C'est l'enfer, ce boulot. Je suis une sorte de coursier. Je vais d'une fleur à l'autre. Je ramasse du pollen. Je le rapporte à la ruche. À peine arrivé, pas le temps de souffler, je repars aux fleurs. Et comme ça, toute la journée. Un vrai métier de crétin. J'en ai ras les antennes. L'année dernière,
m'a proposé de travailler dans la rue. En interne, dans la logistique. C'était horrible. On était 5 dans un bureau. Des petits employés subalternes qui essayent d'éblouir le sous-directeur, qui lui-même essaie de séduire le directeur, qui lui-même essaye de charmer la présidente. Enfin, nous on l'appelle la reine. Alors vous la voyez, moitié blonde, moitié brune, enfin rayée, vulgaire, la femme active de 45 ans, qui refile les ordres à tout le monde. Non, là, les nignards. J'ai tenu 2 jours, mais je suis retourné au fleuve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça.